les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Kamehameha. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du prochain Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Comme vous le savez, et j'ose espérer que vous le savez, que vous n'avez pas raté l'information, il y a de ça quelques mois lors du Games Battle. Or, Bandai Namco avait annoncé officiellement la sortie d'un nouveau Dragon Ball Budokai Tenkaichi 16 ans après. Le Tenkaichi 3, j'avais passé des heures, et là, 16 ans après, on te dit que boum, un Tenkaichi 4 va faire son apparition prochainement. Et ça, ça fait super plaisir. Alors, dans cette vidéo, et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo, car on va balancer, eh bien, tout ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai que bah, il y a des gens qui me demandent, Soso, est-ce que tu as des news, des leaks, etc. concernant Tenkaichi? Tu nous avais dit que tu nous partagerais tout ça. Bah les gars, ça se fait timide. Mais ça y est, on en a. On a enfin quelques petites choses à vous mettre sous la dent. Eh bien, comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Soyez bien attentifs, on va aller directement sur mon compte Twitter, enfin Twitter, sur mon compte X tout simplement, et vous allez voir que, eh bien ouais, il y a des news. Alors, on va déjà commencer, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte X, c'est @sofianelegeek, que vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. On va aller directement dans la barre de recherche, et déjà dans un premier temps, on va commencer à parler de la date de sortie de ce Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, ou bien Dragon Ball Super Budokai Tenkaichi, ou bien autre, que sais-je, je ne sais pas, mais allons directement sur le compte officiel de Bandai Namco. Eh bien, on nous dit quoi? Combattants, soyez prêts, le prochain tournoi Kings of the Iron Fist débutera le 26 janvier 2024, il s'agit de Tekken 8, on a enfin la date de sortie du prochain Tekken 8, qui est en janvier 2024. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu nous montres ça, Soso, c'est Tekken, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball. Eh bien, si, ça a à voir. Pourquoi? Parce qu'on sait que Bandai Namco, qui est, du coup, l'éditeur de Budokai Tenkaichi, du moins, le prochain Budokai Tenkaichi, a beaucoup de jeux, eh bien, sur le feu, tu vois, et ils vont en sortir. On a Sangland, on a le Tekken 8, on a le Naruto X Boruto, vous savez, hein, qui va sortir également sur PS5, donc voilà. Ils vont sortir leur jeu petit à petit. Ils vont pas sortir un jeu en même temps qu'un autre. Surtout, une grosse licence comme Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Ça va éteindre tout. Souvenez-vous, juste un petit teaser de Goku qui se transformait. Ça a fait tweet tendance monde. C'était vraiment impressionnant. Donc là, on sait que le 26 janvier 2024, eh bien, il y a le Tekken 8. On va aller même encore plus loin. On a, donc vous le savez, hein, le Sandland également. Et on a aussi, eh bien, le prochain Naruto, le Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, le 17 novembre 2023. Donc on sait que en novembre 2023, Naruto, ok, en janvier, Tekken 8, et après, janvier, plus rien. Eh bien, je pense que justement, comme je vous le disais depuis le départ, ce prochain jeu Dragon Ball arrivera en 2024, eh bien, quelques mois après, je pense, Tekken 8. Voilà, Tekken 8, c'est le 26 janvier. On peut penser que Dragon Ball Budokai Tenkaichi va arriver dans ces eaux-là. Pour moi, en termes de communication, c'est le mieux, tu vois. Novembre, ils sortent Naruto. Janvier, ils sortent Tekken. Un peu après, un petit Budokai Tenkaichi. Ça serait pas de refus. On verra bien. Donc voilà déjà concernant cette date de sortie. Et j'ai même encore envie de vous dire que plus on avance, plus le jeu met du temps à sortir, plus on s'approche vers une exclue next-gen. PS5, Xbox Series X et PC. Parce que au bout d'un moment, les old gen, ça va être poubelle. Surtout qu'on commence à nous parler, voilà, d'une nouvelle PS5 Slim, etc. Il y a des rumeurs et tout ça. Eh bien, faut commencer à y songer. Voilà, au cas où pour ceux et celles qui n'ont toujours pas de PS5, commencez à essayer d'économiser un petit peu. Vous avez encore du temps, mais voilà, faut y songer. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour la date de sortie. Maintenant, on va également parler, eh bien, d'une autre chose. On nous dit quoi pour Naruto X Boruto? Ça va inclure, pour la première fois, les voix françaises officielles. D'accord? Les voix françaises officielles de Naruto, Boruto, dans un jeu vidéo. C'est du jamais vu. D'accord? C'est du jamais vu dans les jeux vidéo que nous, en France, on puisse enfin obtenir, eh bien, les voix françaises dans un jeu
tiré d'un animé japonais. Ça, c'est un truc de fou. Alors, certes, je vais pas jouer l'acteur. Bien sûr qu'on préfère la VO. Bien sûr, les seiyuu japonais, c'est incroyable. Mais pour la nostalgie, c'est pas mal aussi, des fois, de se faire un petit combat ou quoi, avec les voix françaises. Et c'est là où, maintenant, je vais rebondir sur Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Vous pensez pas que, s'il commence Bandai Namco, sachant que c'est le même éditeur pour les jeux Dragon Ball, hein, à nous balancer les voix FR dans un jeu Naruto, vous pensez pas qu'ils sont en train de se dire « Bah, on va peut-être le faire également dans Dragon Ball. » Surtout que dans Dragon Ball, on a les comédiens de doublage qui sont présents parmi nous, et de plus, et c'est de source sûre cette fois-ci, parce que c'est moi-même qui leur avais posé la question lors d'une dernière interview, interview que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube qui est épinglée sur l'accueil. Moi, je leur avais demandé pourquoi vous n'avez jamais pu faire du doublage pour des jeux Dragon Ball. Eh bien, que ce soit Patrick Borg, Brigitte Lecordier, Philippe Ariotti, Marc Lesser, etc., ils m'ont tous dit « Mais nous, on aimerait !» Donc déjà, comprenez bien que les comédiens de doublage français Dragon Ball aimeraient faire du doublage pour un jeu vidéo Dragon Ball. Donc déjà, ça là-dessus, on sait qu'ils ne seront pas là à rechigner sur le travail, ils veulent le faire. Donc là-dessus, déjà, c'est carte blanche, on sait qu'ils accepteraient le job. Eh bien, si tu te dis que Bandai Namco a commencé à faire cela avec Naruto, je pense, les amis, qu'on peut avoir la même chose sur Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Et en soi, moi, je serais très satisfait. Tu t'imagines, tu joues Kid Goku, ou bien alors tu joues le Gohan enfant, t'entends la voix de Brigitte Lecordier. Bah, franchement, ça serait incroyable. Voilà, juste pour la nostalgie, ce serait incroyable. Et même moi, le premier, j'aimerais me faire des combats comme ça dans l'univers de Tenkaichi avec les voix françaises. Et même si derrière, après, on préférerait quand même la VO, les voix japonaises, ça reste emblématique. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je pense que ça pourrait être vraiment sympathique. Donc déjà, voilà, concernant date de sortie, concernant les voix FR, j'ai essayé de vous ramener ces news-là, ça s'arrête pas là. Et ouais, maintenant, on a également d'autres ligues. Voilà, là, on a fait de la théorie, etc. Et en soi, je pense que ça risque à 90% de voir le jour, ce genre de choses. Maintenant, on va parler bien des leaks. Alors, pour les leaks, on va aller directement sur ce compte-là. Eh bien, on a eu un post Twitter qui a fait un embrasement, tout simplement. On va essayer de le retrouver. Attendez, je baisse, c'était sur Tenkaichi. Du coup, voilà, il parlait également de Tekken 8, et voilà, c'est celui-ci. On parle de Tenkaichi, du prochain Tenkaichi. Traduire le post. Eh bien, alors attention, on nous dit fuite. Alors, c'est du Google Traduction, les amis. Hein. Selon une source, le nouveau Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 aura plus de personnages que Xenoverse 2. Alors en soi, moi franchement, je pense également que le roster, d'accord, niveau personnage du prochain Tenkaichi sera vraiment bien étoffé. Parce que Tenkaichi 3, on se souvient, le roster est incroyable. De Dragon Ball à Dragon Ball GT, pff, extraordinaire. De plus, comme si cela ne suffisait pas, les détails suivants ont été révélés. La liste des personnages serait de plus de 100 personnages. C'est pas mal, tu te dis 100 personnages, en plus de cela, il y a les transfos, etc. Ça peut être bien. Alors attention, c'est fuite, c'est leak, etc. On verra. Mais je pense que voilà, d'ici les prochaines semaines, etc., je pense qu'on aura des infos officielles. Tout ce qui était animé jusqu'à présent par Dragon Ball Super serait dans le jeu vidéo. Nous ferions face au plus grand jeu vidéo Dragon Ball tout confondu. Donc, la saga Saiyan, la saga Namek, la saga Cyborg, la saga Majin Buu, Battle of God, Fuketsu no F, le tournoi de Champa, l'arc futur avec Trunks et Black Goku, le tournoi du pouvoir. Bon, j'avoue, quand tu vois ça sur papier, ça fait rêver. Hein, parce que là, tu te dis, le jeu, il va être vraiment incroyable. Information encore à confirmer, mais passionnante. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est passionnant. Donc, voilà. Voilà un petit peu, au niveau des leaks, ce qu'on a. On rappelle également, aujourd'hui, on est le mercredi 23 août. Demain, en ce jeudi 24 août, je serai présent à la Gamescom en compagnie de Bandai Namco, d'accord, pour aller tester des jeux en exclusivité. Bon, j'avoue, si jamais il y aurait du Tenkaichi, je m'envolerai, mais je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'il y aura du Tenkaichi, je pense que le Tenkaichi, on aura sans doute du gameplay en décembre au Japon pour la Jump Festa. Mon petit doigt me dit que peut-être que Sofiane Le Geek sera en exclusivité au Japon en tant que français pour tester le jeu. Je dis ça comme ça, je vois.
abonne-toi à la chaîne si tu n'es toujours pas fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Donc c'est pour cela que je vous dis, je pense pas pour la Gamescom. Mais par contre, on peut peut-être avoir eh bien, des petites infos, même s'il n'y a pas du gameplay, des petites infos concernant Tenkaichi. De toute façon, demain, je serai présent à la Gamescom. Je ferai un live sur mon compte TikTok. N'hésite pas à aller te follow à mon compte TikTok. C'est Sofiane Le Geek et tu retrouveras également eh bien, le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à aller te follow parce que demain, en ce jeudi 24 novembre, je lancerai un live l'après-midi sur mon compte TikTok depuis la Gamescom. Donc comme ça, au moins, tu auras toutes les news. J'espère également pouvoir tester Sandland, etc. Merci à tous ceux d'ailleurs qui follow. Ça fait plaisir. Donc voilà, j'essaierai vraiment de vous partager eh bien, au max toutes les infos. Voilà, concernant eh bien, les petites news à gauche, à droite de Tenkaichi, je vous avais promis que dès qu'il y a la moindre rumeur, le moindre leak, la moindre info, etc., eh bien, je vous la partage. C'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo. Abonne-toi également à la chaîne si tu n'es toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et encore, je te le redis, n'hésite pas à aller te follow sur mon compte X et également le compte TikTok. Tout est dans la description de cette vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane Le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.